Comme l'impression que la FIFA, elle se fout de notre gueule. Oh là, j'ai l'impression que la FIFA, elle veut gagner du temps. Elle fait exprès de faire croire aux Algériens qu'elle s'est réunie, qu'ils sont en train de réfléchir. En fait, ils en ont rien à foutre, les gars. C'est ce que je pense. Ils n'ont pas donné un signe de vie de toute la journée. Demain, il y a les tirages au sort. Hein? C'est ça, la FIFA? L'histoire se rappellera que la FIFA a fermé les yeux. L'histoire se rappellera que de ça. La vie de ma mère. Vous n'avez pas honte, sérieusement? C'est quoi, ça? Oui, ils gagnent du temps, ils font espérer les Algériens pour rien. C'est grave de faire ça, c'est grave, d'accord? Bougez-vous la FIFA, faites quelque chose, faites un communiqué. Voilà, le président fait un discours, explique-nous les choses. Voilà, même si c'est le match, on ne le rejoue pas, dites-nous-le au moins. Dites-nous-le, on veut savoir. On a le droit de savoir. On a le droit, les Algériens. Vous nous laissez dans le doute, on est là, on dort pas, on mange plus, on se laisse pousser, on n'en peut plus, on respire plus. C'est dur. C'est dur ce qu'on vit en ce moment, c'est très dur. Je le souhaite à peine. Comprends pas, ils font quoi la FIFA? Ils se sont réunis ce matin pour discuter du match de Algérie-Cameroun. Il n'y a rien qu'à avancer. Il n'y a pas un communiqué, il n'y a rien qui est sorti de la réunion. Ils font quoi la réunion? Voilà, ils jouent aux cartes, les gars. Ils jouent à puissance 4. La vie de ma mère, faut m'expliquer. Il faut m'expliquer, les gars. L'histoire se rappellera que la FIFA fait semblant de pas voir. L'histoire se rappellera que de ça. La vie de ma mère, la FIFA, là, si ils rejouent pas le match, ils perdent très très gros en crédibilité. Ils ont fait quoi aujourd'hui? La seule chose qu'ils ont fait, les gars, où ça a un peu avancé, c'est qu'ils ont supprimé le résumé du match Algérie-Cameroun et ils l'ont remis, les gars. D'accord? Sauf que entre-temps, ils ont supprimé les actions litigieuses. Voilà, les gars, ça veut tout dire. Ça veut dire que la FIFA, elle sait, les gars. Elle sait. L'histoire se rappellera que la FIFA le savait. Mais elle a fermé les yeux. Et nous, on fermera pas notre bouche. La vie de ma mère, on va pas lâcher l'affaire. Vous avez supprimé les actions litigieuses. Vous savez qu'il y a un problème. Vous le savez très bien. Les gars, je suis très, très déçu du comportement des Camerounais. Voilà, les gars, il y aurait eu des erreurs d'arbitrage du côté algérien. Moi-même, j'aurais demandé à rejouer le match. Voilà, les gars, j'aurais dit, même si l'Algérie aurait gagné, il y aurait eu plein d'erreurs d'arbitrage. Nous-mêmes, les Algériens, on aurait eu l'honnêteté de le reconnaître et nous-mêmes, on aurait fait la démarche auprès de FIFA pour rejouer le match. Voilà, la vie de ma mère. On est fair play, nous, au moins. Voilà, on aurait rejoué ce match. Les gars, les Camerounais, ils sont là, ils sont silencieux, ils disent rien, ils se moquent de nous, regardez, ils font que pleurer. C'est ça, les Camerounais. Après, ça se dit, frère. Et ce qui est arrivé aux Algériens aujourd'hui peut arriver à n'importe quelle équipe demain. D'accord? Donc, ce qui est arrivé là, ça concerne pas que l'Algérie, les gars. Ça concerne toutes les équipes de football. Si ça arrive à l'Algérie, ça peut arriver à même pas, ça peut arriver qu'à nous, à l'Algérie. Il y a que nous, en fait. Il y a que nous, ils s'en prennent à nous. Il y a que nous, on n'est pas à FIFA. Il y a que nous, on se fait voler la Coupe du Monde. Il y a que nous. Oh là, c'est incroyable. Pourquoi? Il faut faire un syndicat des supporters algériens. Oh là, je vais monter un syndicat, les gars. Imagine, on rejoue le match Algérie-Cameroun et l'Algérie perde. Imagine. Bon, après, je sais que c'est peu probable. Je sais que mathématiquement, il y a très peu de chance et tout. Mais imagine. Imagine! La chouma! La chouma du siècle! Oh là, les gars, je me cache. Oh là, je me cache pendant 10 ans. La vie de ma mère. Je vais en Alaska, je construis une igloo, je reste dedans. Sans wifi, sans télé. Oh là, les gars! La vie de ma mère! Oh, ouais, la chouma du siècle. Non, même pas, après je dis ça, c'est pas vrai. C'est pour vous dire que les Algériens, ils veulent pas voler une qualif. Si on rejoue le match et on perd dans les règles, on l'acceptera. Ou là qu'on l'acceptera, on dira rien. Mais au moins qu'on perd dans les règles. Pas comme ça, les gars. Tout, mais pas comme ça. Je suis désolé. En plus, les Camerounais font que nous chambrer. Ouais, les Algériens, rejouez le match sur FIFA. Hein? On n'est même pas dans FIFA. Ou là, on peut même pas rejouer le match sur FIFA. On n'est nulle part. Personne nous aime. À part les Algériens, qui aiment les Algériens, les gars? Personne nous aime, il y en a marre de ça. Voilà qu'il y en a marre.